Good morning, Aleiden. Les tutos aujourd'hui, le lundi matin, Ramiona ben Hana, Peggy Batester, Nissim ben Arruda, Michael Novikov, Sol Vanish, et aussi de Fouat Ruth bat Claudine Traina, Simcha bat Masoudi et Efrat Mayan bat Labetor Shachol Israël. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Edouyot, Perek Dalet, Mishnah Gimel Bet, Shamay Omrim, Hevker Lanim, Hevker, Ubetel Omrim, Eno Hevker, Ad Sheyevukar, Afla Shirim, Kashemita. כל אומרי השדה של קו קו ואחד של ארבע קווין הוא שכחו. בית שמאי אומרים אינו שכחה. ובית הלל אומרים שכחה. On va parler d'un sujet qui se trouve dans Masechet PA qui concerne les différents dons, les dons agricoles qu'on doit faire aux pauvres. Lorsque j'ai un champ, alors la toile m'a imposé à plusieurs étapes de laisser des petits cadeaux aux pauvres. Tout d'abord, lorsque j'ai mon champ, alors je dois laisser la PA, un coin du champ, un 1/60 du champ, ne pas le toucher, laisser les pauvres venir manger eux-mêmes. Et à part ça, lorsque je vais moissonner le blé, si j'ai laissé certains épis plantés, il y a des règles, selon des règles de quantité, on a déjà évoqué le sujet dans une Mishnah plus haut, alors je devrais les laisser aux pauvres, selon la quantité. C'est ce qu'on appelle les quêtes. Et puis ensuite, le blé, une fois qu'il est tout coupé, donc on l'a moissonné, on en fait des gerbes et on les ramasse et on s'en va. Et si, alors la règle m'établit, si j'ai laissé une ou deux gerbes par terre, par exemple, j'ai pas fait attention, je les ai prises, j'avais pas d'intention de venir les prendre et je suis déjà parti, et puis d'un coup je me retourne et je vois que j'ai laissé deux gerbes par terre, j'ai plus le droit de venir les reprendre, c'est ce qu'on appelle mitzvat shichecha. D'accord ? J'ai introduit parce qu'on aura surtout besoin pour la deuxième partie de la Mishnah. Pour le moment, c'était juste introduire la notion de faire des dons aux pauvres. À part ça, bien sûr, lorsque j'ai fait ensuite avoir mon blé, je vais devoir prélever, en laisser une partie parfois pour les pauvres, parfois pour le Kohanim, les Vihim, la Chala, ensuite en laisser une deuxième partie, une autre fois. Concrètement, il y a une halakha maintenant. Lorsque le champ n'a pas de propriétaire, un champ qui grandit sauvagement, un champ qui appartenait à, par exemple, un guerre, un converti, qui est décédé sans héritier et que personne n'est venu acquérir le champ. Donc il est hefker. Un champ qui est hefker, alors on n'a plus le devoir de donner aucun don. Soit, si je veux voir un champ hefker, d'accord, je vais partir vite moissonner et tout prendre pour moi. Et en fait, en ramassant les gerbes, j'en ai laissé deux par terre. Et bien, j'aurai le droit de partir les chercher. Pourquoi? Parce que là, c'est plus un champ d'un propriétaire, c'est un champ qui est hefker. Hefker, retenez le mot, c'est utilisé dans le Mishnah avec Hevker parce que le fait et le vet, ce sont des otiot mitralfot, c'est des lettres qu'on peut changer, c'est le même mot de sape, je ne sais pas comment ça dit en français, les mêmes, ça sort des lettres qui sortent des lèvres. Quoi. D'accord? Boumaf, bet, vav, mem, fe, c'est des lettres qui sortent avec, qu'on prononce avec les lèvres. En tout cas, donc ça change, ça arrive des fois, Hevker, c'est le même principe. Concrètement, je reviens maintenant sur le vif du sujet. Lorsque on a un champ qui est hefker, qui n'a pas de propriétaire, on n'a pas de devoir, celui qui va venir tout cueillir, n'a pas de devoir de laisser la shicha et la pa. C'est déduit ça de psukim, du fait que toi tu donnes aux pauvres, mais si le pauvre il a le même statut que moi, c'est-à-dire il peut venir lui se dépêcher de prendre dans le champ ce qu'il y a lui avant que moi, le riche, que je vienne moi-même prendre, alors j'ai plus de devoir de laisser aux pauvres. D'accord? Notre Mishnah maintenant va s'intéresser à un cas particulier. Supposons que maintenant, j'avais un champ et j'ai décidé de le faire cadeau aux pauvres, mais que aux pauvres. C'est-à-dire que tous les pauvres viennent manger. Va venir ensuite un pauvre, il va se mettre à tout récolter et ensuite, lorsqu'il va ramasser ses gerbes, il va laisser une ou deux gerbes ou bien même, lorsqu'il va cueillir, il va en laisser planter. Est-ce que sur cela, il aura un devoir de laisser la shichecha ou la pa, ou bien est-ce qu'il aura le droit de tout prendre? Quelle est la plus précisément? Je vous ai dit, le principe de qu'un champ qui n'a pas de propriétaire n'a pas besoin de laisser de matnot anim, ça vient du fait que les pauvres ont eux-mêmes le droit de venir, peuvent venir prendre au même titre que moi-même, donc j'ai pas de raison de donner aux pauvres, puisque le pauvre pouvait au même titre venir lui se servir. Selon ce principe, alors, lorsque je décide de donner mon champ que aux pauvres, pas aux riches, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui est riche, qui va vouloir venir prendre même un fruit, il n'aura pas le droit, c'est un voleur. Mais si c'est un pauvre, il a quartier libre, il a le droit d'entrer et de prendre tout ce qu'il veut à l'intérieur de mon champ. Alors Bet Shammai va te dire, mais écoute, Bet Shammai Omrim, Bet Shammai te dit, Hevker la'anim, Hevker. Le fait d'avoir rendu Hevker,
d'avoir retiré ta propriété face au pauvre uniquement, c'est considéré comme un bon efker. Le pauvre, qui va ensuite devenir récolté, n'aura aucun devoir de laisser, de donner aucune matnot anim, ou même de prélever, même les troumot ou maasrot, même les donos kohen, c'est le même principe. D'accord? C'est clair? Tandis que Beth Hillel omrim, eno efker, selon Beth Hillel, ce n'est pas considéré comme un efker, puisqu'il y a une halakha particulière, c'est déduit de psukim en réalité. Est-ce qu'on compare ça à l'âge vite ou pas? Si on compare à l'âge vite, alors il faut que ce soit entièrement pour tout le monde, sinon c'est plus considéré comme un efker. C'est considéré que finalement, toi, personnellement, tu décides de faire un cadeau singulier à chacun des pauvres, mais c'est plus considéré que tu as supprimé ta propriétaire. Il y a un champ qui a encore des propriétaires ici. Si c'est la discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel, d'accord? Chacun le déduit de psukim. Ça rapporte dans le Bar Noir, si vous voulez le lire, vous le trouverez. La Nivelager Tazovotam, dès que tu donnes au goy, peu importe, on va pas trop rallonger. C'est clair? Principe clair. Donc, je reprends le Beth Hillel ou Beth Hillel Omrim, Heno Hefker. D'après Beth Hillel, ce n'est pas considéré comme un Hefker, le fait de donner qu'aux pauvres. Hache Yuvkar Afla Shirim Kashmita. Jusqu'à que il retire sa propriété totalement, au même titre qu'un Sadé de Shmita. Dans l'année de la Jachère, la 7e année, où tu n'es plus du tout propriétaire, alors là, la Torah, elle a rendu patour. Elle a dispensé de donner les matnot anim et de donner tous les dons qu'on doit faire aux pauvres, comme aux kohanim et les vies. D'accord? On a fini avec le premier sujet de la Mishnah. Deuxième sujet maintenant. On va parler, cette fois-ci, de ce qu'on a dit là, Shichat à Omarim. Lorsque j'ai fait des gerbes de blé, on a dit, je fais les gerbes, après je les ramasse pour partir. Si je pars, avec intention de ne plus revenir initialement, je me retourne et je vois que j'en ai laissé quelques-unes par terre. Alors là, la halakha m'établit une ou deux gerbes, tu as le droit de revenir les chercher. Tu n'as plus le droit de revenir les chercher, tu dois les laisser pour les pauvres. Si c'est trois, c'est un don trop important, alors là on va considérer que depuis le moment où tu as commencé à partir, tu n'étais pas vraiment parti parce que c'est sûr que tu aurais fait le compte qu'il te manque quelque chose de trop important. Donc tu n'as pas eu de hesser hadat, tu n'as pas été mitia eshdel. Tu t'es pas désespéré de revenir les chercher. Tu avais l'intention de revenir même si tu n'y as pas pensé explicitement. Tandis que si c'était une ou deux, alors là, t'as fait une shichra, tu les as oubliés et tu dois les laisser, tu n'as plus le droit de revenir en arrière. Mais le sujet de notre Mishnah va être de savoir maintenant, si j'ai fait une gerbe quatre fois plus grosse que les autres gerbes et que j'ai oublié cette grosse gerbe, est-ce que son volume important va faire que cette fois-ci, c'est évident que tu n'as pas d'intention de t'en séparer? Même si tu l'as oublié, ça s'appelle, c'est pas considéré comme un oubli. Un oubli, comprenez l'idée, ça ressemble un petit peu d'ailleurs au Lechot de Hashavat Aveda, qu'on avait vu dans Perek Bet de Maseret Baba Metzia. Le principe là-bas, c'est que lorsque j'ai perdu quelque chose dans la rue, si c'est évident que j'ai pas l'intention de revenir le chercher, parce que c'est une pièce que je vais même pas pouvoir la reconnaître et donner de Siman, alors on va considérer qu'il y a eu un Yehush. T'as plus l'intention, c'est sûr que tu vas plus revenir le chercher. Il y a un Yehush. Tandis que si c'est quelque chose qui est assez important, alors depuis le moment, quelque chose qui avait un siman, quelque chose qu'on pourrait reconnaître, il y a écrit ton nom dessus par exemple. Alors depuis le moment où tu t'es séparé, tu as commencé à partir, c'est évident que tu vas revenir, donc tu t'es pas séparé de lui, tu l'as pas oublié. Et bien c'est le même principe qu'on retrouve dans la shichra. La question va être, lorsque tu as laissé quelque chose de conséquent, de très important, qui est quatre fois plus gros que les autres, est-ce que c'est considéré comme une shichra ou non? Alors on fait ça dans les mots, kol omre asade shel kav kav. Tous les omarim, toutes les gerbes du champ, sont d'une taille de un cave ou un cave. Un cave, cave, cave. Je fais un cave, une quantité d'un cave. Vous rappelez, escalave goudo, effacer un cave, log beitza, et goudo, les coefficients entre les deux. Donc cave, log beitza, ça fait 24 œufs. Un volume de 24 œufs, c'est à peu près la taille de la gerbe qu'on fait. Et echad shalarbaat, cabine, et une gerbe que tu as fait qui était de 4 caves. Elle était 4 fois plus grosse que les autres. Ushracho, et tu l'as laissée. Et bien, Beth Shammai Omrim, Eno Shichra. Beth Shammai, ils vont te dire, c'est pas considéré comme Shichra. C'est trop conséquent. Hein? C'est sûr que t'as pas eu l'intention de t'en séparer. Et au Beth Hillel Omrim, Shichra. Tandis que Beth Hillel vont te dire que c'est considéré comme une Shichra. Shichra, c'est un oubli. C'est, tu l'as laissé pour les pauvres, tu n'as plus le droit de venir le chercher. Selon Beth Hillel, 4, c'est plus bon. Mais si c'est plus que 4, 4 fois et demi plus grosse, alors dans ce cas-là, même d'après Beth Hillel, je pourrais revenir la chercher. Parce que cette fois-ci, tu as pas eu l'intention de t'en séparer. La discussion, elle est vraiment sur les. Lorsqu'il y a 4 fois le volume des autres. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Salam.